Tu veux des crédits pas chers sur FUT 17? Rends-toi sur igival.fr et avec le coupon YOMAX38, obtiens 8% bonus. Yo les gars, c'est YOMAX, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec JB les gars, pour un pack opening. Ma foi, j'ai bien fait de garder tous ces packs. J'ai 11 packs joueur équipe de la semaine, 11 à ouvrir. Donc comme si c'était un pack et équipe de la semaine ultime quand tu fais un top 100 en FUT Champions. Même si on aura certainement des doublons alors que eux ils en ont pas quand ils ouvrent ces packs là. Et il y a une équipe de la semaine, comme je vous ai dit, j'ai bien fait d'attendre. L'équipe de la semaine est formidable. Formidable JB, nous avons Sergio Ramos, nous avons Toni Kroos, nous avons Germain, il se vend pas cher, j'ai regardé le prix. Dybala, en plus il fait 1,7 million, mais bien sûr je le garderai. T'as Dybala, t'as Cavani, t'as Lewandowski, t'as une vraie équipe de la semaine. Ouais, t'as aussi Rooney en version héros, parce que je crois que ça y est, il est meilleur buteur de Manchester United, Draxler. Une équipe de la semaine formidable. Donc je suis content d'ouvrir mes 11 packs Team of the Week sur cette équipe de la semaine là. J'espère qu'on va chatter les gars. Et que du coup ce que je veux vraiment c'est Dybala. Ensuite Ramos, j'aimerais bien le paquet pour le revendre. Pareil pour 2-3 joueurs. Draxler, j'aimerais bien l'avoir parce que je me suis inscrit à Ligue 1 à Nice les gars. Attention, c'est JB il m'a inscrit. Grand moi ça veut dire. Ouais, je prends toi. T'es mon agent. Ton manager. Voilà, j'espère que je vais faire des bonnes prestations, mais bon, je pense qu'on va pas aller très loin. À Nice, je me suis inscrit au passage. Des fois, premier tour, tu rencontres Big Bang. Ouais, des fois, Big Bang, il est inscrit là-bas aussi. Ouais. Tranquille, tranquille, Big Bang, ça va, j'ai pas peur de lui. Vas-y, les gars, on part pour les packs. Et du coup, ça y est, FIFA 17, ils ont enfin patché le glitch où tu perdais pas les matchs et tout. FUT Champions sera de retour ce week-end. J'aurais pas dit non hein, contre une deuxième semaine sans FUT Champions. Mais fais-le pas. Ma vie aurait pu. Mais en vrai, c'est pourquoi tu le fais? Ben, parce qu'il y a un truc élite à jouer pour le mois. J'ai très fort un seul élite. Je vais faire pour ça. Mais c'est vrai que j'aurais pas dit non à une deuxième semaine d'absence de FUT Champions. Voilà, ça fait du bien de vivre un petit peu la vraie vie du week-end. Bref, JB, ouvre-moi ce petit pack là, joueur équipe de la semaine. Choisis celui que tu veux, mais celui-ci, on aimerait bien débloquer des animations. Ça signifiera forcément des gros joueurs. Et on va commencer avec BU espagnol, Llorente. Ok, Llorente, on va vérifier à chaque fois le prix de revente de tous ces joueurs qu'on pack. Ouais, je pense pas que c'est terrible. 57 de vitesse. Je pense, voilà, je crois qu'on va packer que des joueurs comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas de chance là-dedans. Je vais passer sur la liste des transferts, les gars. Donc, à chaque fois dans les packs opening, j'essaye d'aborder un petit sujet. Donc là, j'ai parlé du glitch qui est patché. Et bien sûr, en ce moment, comment ne pas aborder le sujet? Ce sera pas dans le titre de ma vidéo, on va pas faire du buzz là-dessus. Mais monsieur le B12, c'est chaud ce qui lui arrive. Non, franchement, c'est vraiment chaud. Bon, après, c'est chaud, mais après, je comprends pas trop le délire de faire des sextapes. Si sa femme pouvait faire des sextapes, après c'est pas truc. Non, mais ça, on s'en fout, frère. On va pas parler de ça. Parce qu'on veut, voilà, il va pas créer des polémiques. Mais c'est chaud ce qui lui arrive. Franchement, ça m'arrive, ça. C'est pas m'arriver vu que voilà, il y a pas de truc, il y a pas de dossier comme ça sur moi. Mais ouais, bah non, mais c'est chaud. T'imagines, t'as ça qui t'arrive dans la tête. Mais non, franchement, c'est vraiment chaud et je compatis avec Monsieur le V12. Hein, c'est lui avec Diablo X9, ils m'ont donné envie de me lancer sur YouTube. Je regardais leur Oh Germain, c'est ça, ils se vendent pas cher, vous allez voir. C'est eux, hein, moi j'ai fait commencer des vidéos sur Call of Duty parce que je regardais tout le temps leurs vidéos. Donc voilà, ça fait quand même chier. Mais voilà, je voulais aborder ce sujet, faut parler un petit peu de l'actualité. Et du coup, Germain, il coûte pas cher, il peut servir pour Ligue 1. Il a des bonnes stats, il a 3 étoiles geste technique, 4 étoiles mauvais pied. Non, ça peut servir, mais voilà. Pour le moment, les deux joueurs qu'on a packés, c'était vraiment nul, rincé. On va passer au troisième pack. J'ai dit, mais pourquoi ton téléphone, il sonne tout le temps? On dirait que t'as tout le temps des gens avec qui parler. Et moi, c'est pas le cas. J'ai deux personnes qui me parlent dans la journée, c'est Faiz et Idriss. Troisième pack, les gars. D'autres amis. Ce sera MG Gaëtan. Non, c'est qui? Lanzini. Lui peut-être qu'il y a une petite... il joue un BPL, il y a peut-être une valeur marchande. Oh, Evra, à l'OM. Evra, ouais, je suis content. T'en penses quoi? Supporter de l'OM, hein, j'y vais un petit peu quand même. Je suis content parce que c'est un bon joueur. Ouais. Ouais, bah ouais. Il est pas mal le prix là. Ouais, il est pas mal. Il va améliorer le côté gauche de l'OM. Et franchement, à gauche, il n'y avait rien. Voilà. À la UV, on se fait pas de soucis. Alexandro, tout ça, les gars. Il n'y a aucun problème. Après, c'est sûr, il est vieillissant, mais moi, je pense qu'il fera vraiment du bien en Ligue 1. Ouais, moi je pense. Et même apporter son. Ouais, dans un groupe, c'est ça. Apporter son expérience, tout ça. Un bac DG. Oh, Porto, c'est qui ça? C'est Télès. Oh, il a des bonnes stats, Télès. C'est Christian Télès, peut-être? Est-ce que j'ai une culture? Non, rien à voir. Rien à voir. Vous allez m'insulter dans les commentaires, je vous connais par cœur, les gars. Comment il fait? Ouais, pour le moment, on pack. Tu vois, t'as vu tous les joueurs qu'il y a? On pack que les bidons. Vas-y, on va en packer. On a pas eu un double. Ouais, bah c'est tant mieux d'un côté. Mais ça va arriver, ça ne saurait que tarder. Un gros joueur au moins pour cette vidéo, c'est ce que je demande. Pas forcément une animation, mais un gros joueur, un Draxler quand même, un petit truc comme ça. Voilà, t'en parles frère, mais pourquoi tu portes la guine comme ça? Llorente en doublon les gars. Bon les gars, je continue d'ouvrir les packs et du coup je voulais vous dire un truc, ma caméra.
S'il y en a qui savent m'aider, envoyez-moi un mail sur mon mail qu'il y a dans la description de mes vidéos YouTube. Ma caméra, c'est un Lumix GH4R. Et je galère, vous avez vu la mise au point, je galère, ça fait des flous sur toutes mes vidéos ces derniers temps. Je galère, je sais pas pourquoi ça fait ça, je mets détection visage, œil pour les photographes qui s'y connaissent. Dites-moi les gars, aidez-moi ceux qui s'y connaissent dans cet appareil photo en spécificité. Spécifiquement, oui. Amixem, il doit y connaître ça. Ben non, il connaît pas, justement, c'est pour, un peu pour ça que j'ai acheté cet appareil photo. J'ai regardé la vidéo aussi d'Amixem, il a cet appareil photo. Et en fait, il explique qu'un abonné à lui, il est venu l'aider à le configurer parce que lui, il connaît rien. Ah, et ouais, c'est ce que j'aimerais bien moi aussi que ça m'arrive. Sérieusement, bon là, j'ai mis en focus manuel, donc ça doit être nickel. Mais ça me casse les couilles, focus manuel. Allez, c'est parti, un nouveau pack. Pas d'animation toujours, et on aura, j'espère, pas un doublon. Ah, pas un doublon, mais de la merde. Skretel, bien sûr, Skretel. Ouais. 67 de vitesse. Non, mais ça doit être un très bon joueur de... Je pense que c'est un des meilleurs défenseurs de... Super League. Ouais, mais c'est vrai que non, en fait, non, il y a des petits défenseurs à 78, 80, 82, Toprak et tout, ouais, trucs comme ça, ils sont super forts. Je pense pas que ça vaut grand-chose. Et oui, ça vaut pas grand-chose. Toprak, ils vont en Allemagne. 15 000, 20 000, Toprak, je suis fou. Ceinture, non, 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 pas Toprak. Non, mais il y en a deux, ils sont super forts en Super League. Mais voilà, je dis de la merde. Qui est-ce qu'on va avoir? On se booste pour paquet... Oh, Mancini. Mais je te... Non, mais ce jeu, il est... c'est fait exprès, en fait. Ah, c'est, c'est fait exprès. Non, mais tu... T'as vu tous les joueurs? Il y a beaucoup des joueurs super beaux cette semaine. Je vais en taper au cas dans la vidéo, vous allez voir. Tout vient à point, qui sait attendre? Non. Bon, ah, si, si, on sait jamais parce qu'il n'y a pas forcément d'animation. Lui, il est bon. Oh putain, c'est toujours le même. Oh, sérieusement. Il en a fait 50, on n'a pas eu un bon joueur. Ouais, mais c'était il y a 3 semaines. Ouais, j'avoue, là. J'ai attendu 2 semaines. Je me suis dit, ah, on va attendre une équipe de la semaine un peu plus performante que les autres pour les ouvrir. Des fois, on aura de la chance. Et c'est que de la merde pour l'instant. Oh là 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 là, fais voir celui-ci, ça va être qui? Ça va être Colmar, enfin! Lui coûte cher, lui coûte cher. Enfin, il coûte cher, c'est pas non plus 400 000 crédits. Je crois peut-être un petit 50, 100 000, hein. Franchement, parce que c'est un défenseur droit de première ligue, il rate ses statistiques. Gullit Gang. Franchement, il a des vrais stats. Ben, franchement, je sais pas si t'as pas des meilleurs. Non, peut-être pas en vitesse. Mais il a des vrais stats. Voilà, tu regardes. Voilà, là on est chanceux. Ouais. 150 000 crédits pour Coleman. Je vais réfléchir. J'ai Bellerin à droite. Je vais réfléchir si je le garde ou pas. Mais c'est vrai que là, voilà, j'ai bien fait de garder les 11 packs juste pour lui pour le moment. Coleman, les gars, lourd. Franchement, très très bon défenseur. Vous voyez ses stats. Ouais, bah ouais, bah Gullit Gang. Allez, c'est à moi de l'ouvrir cet avant-dernier pack, les gars. Est-ce qu'on va continuer sur un petit peu de chance comme avec Coleman? On va voir ça tout de suite et ça va être. Oh, c'est... on n'a pas eu Sportiel. Je croyais que c'était Sportiel, parce qu'il joue là-bas au même club. Matri. Ok, bon, là, les gars, je pense que j'ai même pas besoin de regarder le prix. On sait jamais. Franchement, il. Non, c'est pas dégueulasse encore. Tu sais, je m'attendais à plus dégueulasse comme carte, tu vois. Après, ouais, elle est pas assez tôt, ouais, mais ouais. C'est la plus dégueulasse. C'est la plus dégueulasse des cartes en vrai. On va arrêter de chipoter, les gars. Et le dernier pack, bah, Coleman. Pour l'instant, Coleman, c'est le meilleur joueur qu'on a eu. 150 000 crédits. C'est quand même rentable, je pense, d'avoir ouvert tous ces packs. Et on termine sur. Oh, un nouveau joueur. Oh, Draxler. On termine sur Draxler. Là, là, nickel. Tu vois, je suis content. Ça va dans ta ligue. Bah ouais, je peux m'en servir, magnifique stat. Oh là 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 là, Draxler, les gars. Ça, ça fait plaisir. Feu, regardons un petit peu le prix aussi. Même si je vais pas forcément le vendre. Oh, ouais, mais... ouais, mais 100 000, 150 000, je suis rentable. En vrai de vrai, je suis rentable. Ils m'ont coûté maximum 25 000 crédits. Sachant que j'ai packé tout. Après, ça m'a, en point FIFA, en vrai, ça m'a coûté en point FIFA d'avoir fait ces 11 packs. Vu que j'avais packé tous les joueurs qu'il fallait pour faire les packs. Mais du coup, je pense que je suis rentable sur ces packs. Je suis bien content de les avoir ouvert cette semaine. On n'a pas eu Dybala, on n'a pas eu Ramos, on n'a pas eu les meilleurs, les Wandowski. On s'y attendait. Mais Draxler et Coleman, c'est vraiment cool, les gars. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était une petite. Voilà, à chaque fois qu'il y a ces petits packs, j'essaye de m'en stocker quelques-uns et attendre 2-3 semaines pour faire une équipe de la semaine assez sympathique. Et là, elle est vraiment sympathique, l'équipe de la semaine, donc j'étais obligé. Logiquement, je pense que EA, ils vont peut-être sortir une équipe pour la compétition, la CAN. Donc peut-être qu'ils vont sortir une équipe spéciale avec des cartes de couleur et tout. On verra bien. En ce moment, il y a plein de Man of the Match, tout ça, vous avez capté, les gars. J'ouvre pas trop de packs en ce moment parce que voilà, c'est bon, ça m'a saoulé un peu avec les Toti. Si, il y a des packs de temps en temps, il y a des Man of the Match et tout, ouais. Mais je trouve que ça en vaut pas trop le coup. On essaye de se canaliser un petit peu, les gars. Si Salah, c'était Salah. Salah? Ouais, ouais, bah Motem, ça valait le coup, c'est ça? Il était Motem. Non, ça valait le coup, mais vas-y, c'est bon, 12 000 points FIFA, ça fait 100€, 90€, oui. C'est bon, faut arrêter au bout d'un moment. Faut pas non plus abuser. Là, cette semaine, j'ai été tranquille, vous avez vu. Et beaucoup de gameplay, j'espère que vous avez kiffé, les gars. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, la vie. Ciao, ciao.